Elle n'est pas tout à fait finie. Elle n'est pas finie, là. Non, je m'avais la moulinée un petit peu. Ouais. Et puis après, j'y mets deux, trois bonnes giclées de crème. Ah, dis donc. Il faut que je mange nature. Moi, je ne mets pas ni ail ni rien du tout. À nature. Moi, je mets, c'est comme dans les beignets de pommes de terre, ils m'ont toutes sortes de coffiorées. Bien sûr. Oui, de coffiorées, leur truc de Provence, leur oignon, leur tout, je n'aime pas. On fait les beignets de pommes de terre nature, comme on fait la couche de... Bien la soupe de courge, nature. Et puis j'en mange ce soir. Eh bien, bien sûr. Et puis c'est tout. Et puis ça vous fait deux jours. Ah oui, deux jours, oui. Bien oui. Sûr. Des fois j'en viens pour trois jours. Mais autrefois on faisait ça aussi, la soupe de courge. Bien sûr, monsieur de Paris. Vous en avez jamais fait. Ben, on n'y a pas goûté, on n'y a pas vraiment. Mais elle m'a... Elles viennent d'où ces courges? On me les a apportées l'autre jour. La chance, hein. Elles viennent des Curtils. Ah ben de la montagne. C'est François Dufournet qui me les a apportées. Oui. Non, merci au passage. Eh bien, vous ne saviez pas, monsieur de Paris. Ouais. L'année prochaine, moi, je vous ferai une soupe de courge. Ah ben, je veux bien la goûter aussi. Ah, mais oui. Elle m'a l'air bonne, dis donc. Hein. Alors, deux, trois, donc, me dites de la crème. Hein. Ah, mais il faut de la crème. Des fois, je la fais salée. Oui. Des fois, j'y mets un petit brin de sucre. Ouais. Non, mais il ne faut pas salir le sucré, j'ai horreur. Ah non, non, mais il faut le faire comme ça. Hein. Salé et poivré. Et voilà. Et la crème. Et voilà. Je voudrais vous en faire une fois. Et, c'est gentil, mais en tout cas, ça réchauffe et c'est bon pour je la santé. Je ne vais pas vous garder ce soir pour la manger. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas trop le temps ce soir. Mais ça c'est dommage. Bien, c'est gentil. Et alors, du coup, la soupe, parce qu'on va le dire, la soupe, autrefois, c'était tous les soirs. Mais tous les soirs, le papa a mangé trois assiettes l'une après l'autre. Ah, dis donc. Et puis moi, j'en mange printemps, été, automne, hiver. Ah, dis donc. C'est tout. Et ça vous donne ce petit teint de pêche qu'on voit sur la peau, là, hein? C'est ça qui est bon? Ah, ben, je sais pas, moi, ce que ça donne. La recette, 92 ans, Mimi Poyac, ici. Oui. Ça sent déjà bon, ça. Ça sent bon.